Le tailleur de pierre. Dans un pays lointain, vit un homme qui casse des pierres. Il s'appelle Arnold. Arnold casse les pierres et les vend aux gens pour construire des maisons. Arnold est un homme pauvre et cependant il est heureux et tout le monde l'aime. Il est très fort. Il travaille dur, mais son travail comme tailleur de pierre ne lui satisfait jamais. Et durant son travail dur, je me sens très fatigué, je dois me reposer, pensa-t-il. Il regarde partout autour de lui. Oh, je vais me reposer au-dessous de cet arbre. Se dit-il. Arnold apporte son poids haut et va s'asseoir au-dessus de l'arbre. Assis tranquillement sous l'arbre, Arnold voit un corbeau qui s'envole autour de lui, tenant une bague dans son bec. Mais qu'est-ce que c'est ça? Le corbeau tient quelque chose dans son bec? Et puis le corbeau se pose sur l'arbre. Maintenant, je vais lancer une pierre à ce corbeau, dit-il. Je peux exactement la viser. Au moment où Arnold jette la pierre, le corbeau s'envole et fait tomber la bague. Il prend la bague et la met dans son doigt. C'est sympa et ça me convient. Je peux la vendre et rapporter de l'argent. Ensuite, Arnold va immédiatement au marché pour vendre la bague. En route, il passe par la maison d'un riche marchand. Oh, comme ce marchand est riche et puissant, pense-t-il. J'espère être aussi puissant que lui. Soudain, une voix sortant de la bague. « Frottez-moi pour réaliser vos 7 souhaits !»« C'est quoi cette voix? D'où vient-elle » demande-t-il. « Je suis le génie tout-puissant de la bague. Je peux vous exaucer 7 vœux. »« D'accord, je vous frotterai !» dit Arnaud. Tout à coup, la bague s'est mise à briller et le génie apparaît. Dorénavant, je suis votre serviteur, dit le génie. Je peux vous réaliser 7 souhaits. Je souhaite être riche et puissant comme ce marchand, dit Arnold. En instant, le génie montre à Arnold son grand château plein de serviteurs, de bijoux et d'argent. L'argent, c'est le pouvoir, pense Arnaud. Maintenant, il peut porter de chers vêtements, manger de délicieux aliments, vivre comme il souhaitait et acheter tout ce qu'il aimait. Avec tout cet argent, il commence à traiter les gens avec manque de respect. Les gens qui l'entouraient commencent à le haïr davantage. Sa vie continue confortablement, mais soudain, il a eu mal à l'estomac. Il perd son appétit et n'arrive plus à manger comme avant. Il devient maigre et faible. Il sent que tout le monde autour de lui est heureux sauf lui. « Mes serviteurs peuvent tout manger. Ils peuvent vivre heureux !» Arnold se dit-il. L'argent, ce n'est pas le pouvoir. À travers les grands portails ouverts de son château, il voit un cortège qui est en train de passer. Un haut fonctionnaire est assis sur une luxueuse chaise à porteurs et beaucoup de soldats l'entourent. Comme il est puissant ce fonctionnaire, pense-t-il.
Je demanderai au serviteur de la bague de me transformer en un haut fonctionnaire. » Il frotte la bague et le génie apparaît immédiatement. « Fais de moi un haut fonctionnaire comme cet homme !» ordonne-t-il le serviteur de la bague. « C'est ton deuxième souhait !» dit le serviteur de la bague. En un instant, il devint un haut fonctionnaire. Et de nouveau, il commence à traiter les autres avec un manque de respect. Maintenant, les gens le détestent et le craignent davantage. Un jour d'été, il faisait si chaud et pendant qu'Arnaud était dans son cortège, « Ah, je me sens mal à la tête à cause du soleil !» se dit-il. Il lève les yeux au ciel. « Oh, comme le ciel est puissant !» se dit-il. « Je souhaite être puissant comme le soleil. Le soleil est plus puissant que toute autre chose. Je demanderai au serviteur de la bague de me transformer en soleil. « Transforme-moi en soleil !» demande-t-il au serviteur de la bague. C'est ton troisième souhait !» dit le serviteur de la bague. En instant, il devint un soleil qui brille partout. Alors qu'Arnaud jouissait de son extrême puissance, un gros nuage noir apparaît juste entre lui et la terre. Sa lumière ne brille plus partout comme avant. « Oh, comme ce nuage est puissant !» pense-t-il. « Je souhaite être un nuage. Un nuage est plus puissant que toute autre chose. Je demanderai au serviteur de la bague de me transformer en un nuage. Transforme-moi en un nuage !» ordonne-t-il le serviteur de la bague. C'est ton quatrième souhait !» dit le serviteur de la bague. En instant, il devint un gros nuage flottant dans le ciel. Mais le vent soufflait fort et l'a emporté loin. « Oh, comme ce vent est puissant !» pense-t-il. « Je souhaite être comme le vent. Le vent est plus puissant que toute autre chose. Je demanderai au serviteur de la bague de me transformer en vent. Transforme-moi en vent !» commande-t-il le serviteur de la bague. « C'est ton cinquième souhait !» dit le serviteur de la bague. En instant, il devint un vent soufflant très fort. Il souffle fort et arrache les tuiles et les briques des toits de maison. Il balaie tout, sauf une tour en pierre. Oh, comme cette tour en pierre est forte, pense-t-il. J'aimerais pouvoir être une tour en pierre. Je demanderai au serviteur de la bague de me transformer en pierre. Fais de moi une pierre, commande-t-il le serviteur de la bague. C'est ton sixième souhait, dit le serviteur de la bague. En instant, il devint une pierre. Il résiste au soleil, au vent et aux nuages. Comme je suis puissant et fort maintenant, pense-t-il. Mais alors qu'il se tient là, il entend soudain un son très fort. C'est quoi ce son? Demande Arnaud. D'où ça vient? Je pense que ce son m'est très familier. Arnaud, la pierre, regarde ici et là pour savoir d'où vient le son. « Oh, c'est un tailleur de pierre !» dit-il.
un homme qui coupe des pierres. Il peut me couper en petits morceaux. Il est plus puissant que moi, pense-t-il. Je demanderai au serviteur de la bague de me transformer en un tailleur de pierre. Fais de moi un tailleur de pierre, commande-t-il le serviteur de la bague. C'est ton septième souhait, dit le serviteur de la bague. En instant, il redevint un tailleur de pierre. Et alors, le génie disparaît pour toujours. Maintenant, il se tient au même endroit, tenant à la main sa grosse hache. Je suis de nouveau un tailleur de pierre. Maintenant, je suis l'homme le plus puissant du monde. Qui peut être plus puissant que moi ?